Horoscope du 23 janvier 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour pour tous les signes du zodiaque. Horoscope Bélier. Relations tumultueuses en perspective avec votre conjoint ou partenaire. Votre vie de couple sera agitée mais excitante. Faites attention à ne pas aller trop loin. Si vous êtes célibataire, vous pourriez séduire facilement. Soyez prudent dans la gestion de vos finances, car des personnes peu scrupuleuses pourraient essayer de vous escroquer. Évitez les prêts importants à des connaissances. Faites attention à votre alimentation, car vous pourriez avoir des problèmes hépatiques ou d'acide urique. Vous serez déterminé à faire des affaires et ne serez pas influencé par votre famille. Des actes généreux pourraient vous attirer des ennemis en moins. Les relations avec les personnes âgées seront plus faciles et les enfants seront faciles à gérer. Vous aurez besoin de l'énergie et du soutien de vos amis pour traverser cette journée éprouvante. Horoscope Taureau. Saturne est un personnage plutôt rabat-joie, mais l'impact positif de Jupiter pourrait créer un climat de tendresse dans votre couple. Vous pourriez avoir une rencontre décisive qui changera votre vie et de nouvelles opportunités se présenteront. Sur le plan financier, vous pourrez renégocier vos emprunts et prendre des risques avec vos placements. Vous bénéficierez d'une grande résistance physique et pourrez trouver un traitement plus efficace si vous souffrez d'une maladie chronique. Sur le plan professionnel, vous pourriez rencontrer des retards imprévus, mais il est important de rester calme et de prendre vos responsabilités. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous attendre à une journée agréable avec eux. Cependant, la position de la Lune pourrait vous rendre un peu mélancolique. Il est sans doute préférable de vous occuper activement. Horoscope Gémeaux. Conseil d'Uranus. Soyez plus respectueux de la liberté de votre conjoint ou partenaire. Si vous sentez qu'il y a des problèmes dans votre relation, prenez le temps d'en discuter ouvertement et calmement, en exprimant vos aspirations et en proposant des idées pour améliorer votre vie de couple à l'avenir. Si vous êtes célibataire, soyez prêt, car vous pourriez faire une rencontre importante aujourd'hui, grâce à l'influence positive de Vénus. Les activités liées aux finances, comme le commerce et les voyages, seront favorisées. Vous pourrez enfin concrétiser des transactions immobilières selon vos souhaits. Si vous voulez perdre du poids, c'est le moment de commencer un régime. Grâce à l'influence de Mars, vous pourrez vous dépenser physiquement et brûler les calories en trop. Cependant, faites attention à ne pas trop manger ou boire. Ne restez pas figé dans vos habitudes et soyez ouvert aux nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. La vie familiale sera harmonieuse pour la plupart d'entre vous, avec de bonnes relations avec vos enfants et vos parents. Ne vous isolez pas dans votre travail et restez connecté avec le monde extérieur. Il est important de rester informé de ce qui se passe autour de vous. Horoscope Cancer. Si vous êtes célibataire, vous vous sentiez parfaitement heureux. D'ailleurs, vous affirmerez haut et fort que le mariage n'est pas pour vous. Cependant, la personne que vous rencontrerez cette fois embrasera si violemment votre cœur que vous pourriez changer d'avis. L'influence de Mercure dans votre secteur couple indique que, quel que soit votre emploi du temps et vos occupations, la réussite de votre vie conjugale deviendra désormais une priorité absolue. Trois gentilles planètes vous aideront à rééquilibrer votre budget. Si vous prenez le temps de faire vos comptes et d'examiner de près vos postes de dépenses, vous vous apercevrez que vous pouvez facilement en limiter certains, et donc faire rapidement quelques économies. Avec cet aspect de Mercure, drainage, massage, et pourquoi pas, une journée de diète. Ce sera le moment le plus propice pour faire circuler votre énergie et débarrasser votre corps des toxines qui peuvent lui nuire. Effet revigorant garanti. Beaucoup d'opportunités dans le domaine professionnel. Si vous avez subi récemment des retards, des contretemps, vous pourrez maintenant vous rattraper et mener à bien un projet qui vous tient à cœur. Vous éprouverez des difficultés à faire régner autour de vous une atmosphère sereine et heureuse. La vie familiale risque d'être soumise à quelques tensions. Vous pourriez notamment entrer en conflit avec vos parents ou connaître des problèmes de communication avec vos enfants. Dans tous les cas, ne laissez personne s'immiscer dans les affaires de votre famille. Méfiez-vous surtout de certains voisins ou amis un peu trop envahissants. Cet aspect de Mercure renforcera vos liens affectifs,
vos échanges avec les autres. Vous serez vous-même très généreux, tolérant, bienveillant, tout spécialement à l'écoute de vos semblables, capable de relativiser les situations, de vous faire l'avocat du diable pour pardonner ou inciter les autres à porter des jugements plus souples, plus humains, pour tout dire. Horoscope Lion. Pour les natifs vivant en couple, le ciel amoureux est contrasté. Vénus bien aspectée apporte des moments agréables, mais la position de Neptune peut semer la confusion dans la vie conjugale. Les natifs seront plus exigeants en amour et moins enclins à faire des concessions. Les célibataires seront très sélectifs, mais auront du mal à supporter la solitude. Il est conseillé de ne pas laisser passer une petite amourette sans prétention. Sur le plan financier, la journée sera difficile, mais il est possible de résoudre les problèmes avec calme, méthode et persévérance. Il est déconseillé de compter sur le jeu. Mercure encourage à combattre la sédentarité et à entreprendre une activité sportive régulière, de préférence dans l'eau. Sur le plan professionnel, des propositions alléchantes seront reçues, mais il est important de les étudier attentivement avant de prendre une décision. La vie familiale sera sans histoire si les responsabilités professionnelles et les émotions sentimentales sont laissées en dehors du foyer. Cependant, une décision concernant les enfants peut provoquer un désaccord entre les conjoints. Avec Jupiter, il y aura un enthousiasme inhabituel, mais il est important de ne pas s'épuiser. Horoscope Vierge. Célibataire, vous recherchez un grand amour passionné et exclusif, et cela pourrait se réaliser cette fois. Si vous êtes en couple, vous souhaitez créer un environnement chaleureux et positif avec votre partenaire, afin d'éviter la monotonie. Vous aurez quelques problèmes matériels à résoudre, mais ils ne seront pas graves. En fait, vous pourrez réaliser une opération fructueuse et certains d'entre vous recevront une prime substantielle, ce qui améliorera votre pouvoir d'achat. Vous aurez beaucoup d'énergie grâce à l'influence de Jupiter, mais veillez à ne pas la gaspiller. Prendre du temps pour vous isoler et réfléchir sera bénéfique. Sur le plan professionnel, il n'y aura pas d'événements marquants, mais vous réglerez une question en suspens et vous vous occuperez des tâches habituelles. Jupiter pourrait vous inciter à suivre une formation pour améliorer vos compétences. Vous serez fasciné par vos enfants et souhaiterez passer plus de temps avec eux. Pour les couples sans enfants, le désir de devenir parent sera fort et vous commencerez à chercher un logement adapté. Profitez de cette journée ensoleillée pour être joyeux et insouciant. Grâce à l'aspect de Jupiter, votre vie sociale sera animée et bénéfique à plusieurs égards. Horoscope Balance. Vous pourriez avoir tendance à imaginer que votre conjoint ou partenaire vous trompe, mais il n'y a aucune preuve concrète pour étayer ces soupçons. Il est important de rester lucide et de réaliser que cela ne représente qu'une tempête dans un verre d'eau. Les célibataires pourraient faire preuve de chasteté et se sentir heureux dans cette situation, tandis que d'autres accumuleront les aventures sans y trouver de réel plaisir. Votre situation financière pourrait être affectée par l'influence de Saturne, mais en gérant judicieusement votre budget, tout devrait bien se passer. Vous pourriez manquer d'énergie en raison de la mauvaise position de Saturne, mais il est recommandé de marcher autant que possible à l'extérieur pour renforcer vos muscles et votre système respiratoire. Au travail, la chance sera de votre côté. Mais vous devrez également vous battre, car tout le monde ne sera pas d'accord avec vos choix ou vos méthodes. Faites attention à ne pas froisser les susceptibilités de vos collègues. En raison de la position de Pluton, des changements pourraient survenir dans votre vie familiale, que ce soit un déménagement ou des changements dans vos relations familiales. La journée sera propice aux échanges d'idées agréables et fructueuses avec vos amis et relations diverses. Et vous serez heureux d'avoir un cercle d'intimes autour de vous. Horoscope Scorpion. Rien de notable côté cœur. Le quotidien peut être agréable si on sait en profiter. En couple, le bonheur est présent. Pour les célibataires, une rencontre intéressante se profile à l'horizon. Il faut régler les factures, contraventions, impôts et dettes pour éviter des complications. Uranus et Jupiter veillent sur la santé, mais il y a un risque de nervosité et d'embarras gastrique. Il ne faut pas abuser lors des repas. Des ennuis professionnels sont à prévoir,
Peut-être envisager un changement de domicile pour suivre des cours ou stages de perfectionnement. Il faut éviter d'être trop possessif avec ses proches et privilégier la tolérance en famille. Avoir des hobbies passionnants permet de contrebalancer les frustrations professionnelles. La photographie, la plongée sous-marine et l'astrologie sont recommandées. Horoscope Sagittaire. Aujourd'hui, il y aura probablement un coup de foudre dans l'air pour ceux qui sont célibataires. Cependant, ceux qui sont en couple peuvent avoir des sujets de mécontentement avec leur partenaire. Jupiter offre une protection bienveillante et des opportunités financières amplifiées. Vous serez habile dans vos transactions et aurez de la chance dans les jeux de bluff. Sous l'influence de Mars, vous serez très occupé au travail et vous pourriez vous engager dans des aventures sentimentales ou des opérations financières. Assurez-vous de prendre régulièrement du repos pour vous détendre et éviter les conflits. Il est possible qu'un supérieur quitte votre entreprise, mais essayez de vous adapter à la nouvelle situation. Vous pourriez avoir du mal à oublier vos soucis une fois en famille, mais Mars vous aidera à améliorer les choses et à retrouver votre chaleur et votre joie. Faites attention à ne pas être agressif plutôt que dynamique, car cela pourrait vous attirer des ennemis rapidement. Horoscope Capricorne. Sous l'influence de Jupiter, la vie à deux sera presque idéale. Vous engagerez un dialogue serein avec votre conjoint ou partenaire et ferez les ajustements nécessaires pour favoriser la stabilité réelle de votre couple. Si vous êtes célibataire, vous aurez de grandes chances de rencontrer un partenaire exceptionnellement vif, chaleureux, sensuel et épanoui. Il vous fera découvrir la vie sous ses couleurs les plus vives. Il est conseillé de ne pas se précipiter systématiquement sur les articles premier prix au supermarché, car ils peuvent ne pas être intéressants, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires. La préservation de la santé est plus importante que les économies. Mars, en aspect tortueux, peut vous plonger dans un état de surexcitation extrême, ce qui peut vous mettre en danger par maladresse ou précipitation. À moins que vous ne choisissiez délibérément d'utiliser des méthodes radicales pour provoquer une crise de santé salutaire. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos affaires et de faire le tri dans vos projets et plans, en commençant immédiatement par ce qui est réalisable à court terme. Restez réaliste. En famille, vous pourrez profiter d'une paix délicieuse grâce à votre gentillesse. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles d'un parent éloigné. La lune facilitera les contacts utiles, mais vous pourriez être déçu par l'attitude d'un ami. Heureusement, de bonnes influences planétaires ramèneront le sourire sur vos lèvres en compagnie de quelqu'un qui vous veut du bien. Horoscope Verseau. Attention, la situation amoureuse risque de se compliquer à cause de l'aspect négatif de Saturne. Il est donc important de privilégier la douceur plutôt que la violence dans vos relations. Cela évitera d'effrayer vos partenaires et rendra vos amours plus harmonieuses. Sur le plan financier, tout ira bien si vous gérez votre budget avec prudence et évitez les dépenses excessives. Réfléchissez attentivement avant de vous engager dans un achat nécessitant un emprunt important. Du côté de la santé, les troubles inflammatoires seront atténués grâce à l'influence positive de Neptune. Cependant, faites attention aux risques d'intoxication et d'ennui gastrique en évitant les aliments gras et les sauces relevées. Dans le domaine professionnel, vous serez performant grâce à votre créativité et votre courage. Vous saurez également concilier vie professionnelle et vie familiale grâce à une bonne organisation. Enfin, l'influence de Mercure renforcera votre sociabilité et vous vous sentirez à l'aise dans les événements mondains. Horoscope Poisson. Climat céleste ambigu pour vos amours, avec des complications possibles causées par Pluton et Mars. La passion sera présente, mais aussi les disputes et les conflits pouvant entraîner une rupture pour certains. Il est conseillé de rester calme pour éviter que les choses ne se retournent contre vous. Sur le plan financier, il est préférable de ne pas prendre de décisions risquées et de laisser votre argent là où il se trouve actuellement. Pour votre santé, il est recommandé de trouver un meilleur équilibre entre votre mental et votre physique en pratiquant une activité physique régulière. Votre situation professionnelle sera globalement bonne, avec des idées originales et un soutien de votre entourage.
Si vous avez un problème familial important à régler, il est préférable de s'en occuper immédiatement, car l'influence favorable de Pluton sera de courte durée. L'amour et l'amitié pourraient se confondre avec une personne de votre entourage qui pourrait vous montrer un intérêt différent.